Good morning, alle Iden. L'étude sera aujourd'hui les Zchut, Rivka bat Martin Miriam et son mari Yochai Netadel Ben Clara, les Ben Zachar, Zera Shekayama, Bekarov, Bezrat Hashem. Et nous étudions Baba Metzia, Perek, Bet, Mishnah, Chet. Matza Sfarim, Kore Bahen, Achat, Lishloshim Yom. Veimeno Yoda Likot, Golelan. Aval Loil Mod Bahen, Batechila, Veloikra Acherimo. Matza Ksut, Menara, Achat, Lishloshim Yom. Veshotcha, Letzorka. Aval Lolichvodo. Kle Chesef, Uchle Nechoshet. משתמש בהן לצורכן, אבל לא לשוחקן. כלי זהב וכלי זכוכית, לא ייגע בהן עד שיבוא אליהו. מצא שק או קופה, וכל דבר שאין דרכו ליטול, הרי זה לא ייטול. Deux sujets essentiels dans cette Mishnah. L'entretien de la trouvaille qu'on garde le temps que la personne vienne la réclamer. Ça peut durer des fois jusqu'à ce que vienne Eliyahu Hanavi. Et la deuxième partie de la Mishnah, ça va être une halakha très spéciale, la loi de Zaken, Vena, Lefirvodo, on expliquera ensuite. Première partie d'abord, c'est l'entretien. Il faut savoir, puisqu'il y a une mitzvah de restituer la perte de son prochain, donc supposons que maintenant, je prends l'objet de mon prochain, je l'amène chez moi, et je commence à diffuser, à attendre qu'il vienne le réclamer. Si le fait de laisser l'objet tel quel, sans l'utiliser, fait que l'objet s'use, rouille, se flétrit, pourrit, alors, j'ai un devoir de m'en occuper et de veiller à ce que la situation ne va pas se produire. Et notre Mishnah va nous donner plein de cas concrets, d'exemples concrets, de manières, de choses à considérer lorsqu'on va l'entretenir. Et on commence tout de suite avec le premier cas, le cas des livres. Quand on parle de livres, c'est les livres de l'époque qui étaient faits en parchemin, souvent en rouleau. Et la Mishnah nous dit « Matzah Sfarim », c'est la trouver des livres. « Kore bahen achat lishloshim yom » Une fois tous les 30 jours, il faut qu'il s'assoie et qu'il lise un petit peu dedans, histoire d'aérer le livre. D'accord ? Il y avait besoin d'aérer les livres, sinon il pourrissait, je suppose, parce qu'il devait sûrement y avoir de l'humidité qui était due au parchemin lui-même, je suppose. Encore d'autres... D'accord. Veillez maintenant, yodé alikrot, golelan. Maintenant, supposons que la personne qui a trouvé l'objet ne sait pas lire, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Comment il va faire ? Il va faire semblant de lire ? C'est une solution, c'est vrai, mais il y a aussi une autre solution plus simple, c'est golelan. C'est qu'il va juste rouler le rouleau d'un bout à l'autre, le temps que ça va lui prendre plus ou moins de le rouler, on va considérer qu'il aura aéré un petit peu chacune des feuilles, des pages du parchemin. Ensuite, la Mishnah nous dit attention, je te permets, je te demande d'étudier dedans, mais aval lo ilmod bahen batechila. Je te défends, tu n'as pas le droit d'étudier un sujet pour la première fois. C'est-à-dire, vous trouvez ce livre. D'accord ? Donc vous avez une mitzvah dans la Shabbat Aveda. Le temps que vous trouvez le propriétaire, que vous publiez, qu'il vienne le réclamer, vous devez vous occuper de ce livre pour qu'il ne pourrisse pas. Une fois tous les 30 jours, qu'il n'y ait pas des mythes, c'est fréquent, c'est relativement fréquent quand même à notre époque. Ça peut être des mythes, ça peut être des petits vers de bibliothèque. Et donc, vous avez un devoir, une fois tous les 30 jours, vous le prenez et vous ouvrez une Mishnah que vous avez déjà étudiée. Et vous trouvez dans, voilà, Baba Kama, Perexain, Mishnah, Aleph, ça correspond au cours de Purim, et voilà. Donc vous lisez dedans, et vous le refermez jusqu'au mois d'après. Par contre, vous n'avez pas le droit d'ouvrir une Mishnah sur une nouvelle Mishnah, un nouveau cours. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez ouvrir sur un nouveau cours, alors, ou bien même sur un cours où il n'y a pas eu du tout même, vous allez laisser ce livre ouvert plus longtemps, vous allez plus vous casser la tête, essayer de mieux réfléchir, de mieux comprendre. Vous allez, dans ce cas-là, utiliser le livre plus, et de ce fait, il va s'abîmer. C'est-à-dire, on vous demande d'entretenir qu'il ne s'abîme pas, mais on vous demande aussi de ne pas l'user davantage. D'accord ? Donc c'est pour ça que Loïl Mod Bahen, Batechila, ne pourra pas étudier dans ce livre pour la première fois de sa vie un nouveau sujet. Il pourra juste réviser un sujet. Veloikra Acher Imo. De même, il ne pourra pas lire avec une autre personne en même temps que lui. C'est-à-dire, je vais dire à mon ami, viens, tu sais quoi, viens, je dois entretenir le livre. Viens, on va lire ensemble la Mishnah de Perek, Baba Kama, Perek Zayin, Mishnah Gimel. On va commencer à la lire ensemble. Pourquoi ? Lorsqu'on va se mettre à étudier à deux, moi je vais plus orienter le livre comme ça, il va le tirer de son côté, on risque de l'abîmer de nouveau. Donc, utilise pour l'entretenir, mais pas pour l'abîmer. Petite
précision intéressante quand même à apporter dans le Tosotium Tov au nom du Nimukei Yosef. Au nom du Ramban, Nimukei Yosef c'est un Rishon, le Ramban aussi. Ils expliquent un point important, ce qu'on a dit qu'il fallait pas utiliser le livre, utiliser le livre uniquement pour réviser et pas pour la première fois, c'est une remarque intéressante quand même, c'est qu'on parle uniquement pour les livres de la Torah écrite, la Torah, les Nevi'im, les Ktuvim, parce que le sujet qu'on connaît déjà, alors on est capable de le passer en revue rapidement. À la différence de la Torah chez BLP, lorsqu'on va trouver une Gemara par exemple, et ben, de manière générale, lorsqu'on étudie une Gemara qu'on connaît déjà, alors c'est pas quelque chose qu'on lit rapidement, c'est quelque chose qu'au contraire, on étudie encore, en peinant encore plus, pour encore plus percevoir la profondeur. Et de ce fait, bien donc, il dit comme ça, quoi, il dit qu'un livre de Torah chez BLP, au contraire, il ne faudra pas l'utiliser pour réviser dedans, parce que si on se met à réviser dedans, on risque de réfléchir, de recommencer à... Les choses qu'on connaît déjà, ouais, ceux qui ont déjà étudié la Mishnah approfondie, de la Gemara, les choses qu'on connaît déjà, alors on trouve un plaisir, au contraire, à les approfondir une nouvelle fois, et percevoir une nouvelle profondeur. Enfin, ça c'est juste, pour élargir un petit peu la connaissance, ça nous donne un petit peu la manière dont il faut approcher la Torah chez BLP. On a des fois tendance à réviser rapidement les choses qu'on connaît déjà, bien au contraire, chez le Ran, et chez le Nimukei Yosef et le Ramban, c'était évident que si on se met à étudier un sujet déjà connu, alors on va peiner encore plus pour le comprendre. Voilà, on continue maintenant la Mishnah avec... On va parler d'un vêtement. Matza Ksout. Ksout, c'est un vêtement. Ça vient de Kisui, quelque chose qui recouvre. Un vêtement, ça s'appelle Ksout. Donc Matza Ksout, Menahara Achat Lishoshim Yom. Il faudra de nouveau, il ne pourra pas la laisser plier, enfermée dans son armoire. Une fois tous les 30 jours, il la sort, il la secoue un petit peu, il l'aère, et il la replie, et il la range chez lui. Veshantra Letzorka, si c'est nécessaire, supposons par exemple, je ne sais pas moi, imaginez, on a fini l'hiver, il a fait humide dans la maison, il y a eu des petites infiltrations, et donc il va falloir l'aérer davantage. Il pourra même, Shotra Lishtoach, c'est la, comment dire, l'étaler, l'étendre, Letzorka, pour le bien du vêtement, mais attention, Avalo Lichvodo, mais pas pour son honneur personnel. Supposons qu'il va recevoir des invités, et alors là il va se dire, allez, je sors le gilet, je sais pas quelle marque, Ralph Lauren, et je vais l'accrocher, comme ça on va voir que j'ai un beau vêtement, alors là non. Puisqu'il le fait lichvodo, même si le vêtement a besoin d'être étendu, mais s'il tire un profit au moment où il l'étend, alors la Mishnah nous interdit de le faire. D'accord ? On continue maintenant. Ouais. D'accord, c'est pas précisé davantage. Une seconde. Afilo, gamken nesorka, comme ce qu'on a expliqué. Non, c'est, dans la Gemara, ça discute, j'ai oublié la conclusion, mais ça est rapporté comme ça dans le Tiferet Israël. On continue. Klei chesef uchlei nechoshet mishtamesh bahen letzorkan aval lo leshochakan. Idem encore s'il trouve des klei chesef. Klei chesef, c'est des ustensiles en argent. Ou encore des klei nechoshet, des ustensiles en cuivre. Nechoshet, ouais, en cuivre. Et donc, mishtamesh bahen letzorkan, il pourra de nouveau, il devra les utiliser pour leur bien. C'est-à-dire, si on n'utilise pas, je suppose que si on n'utilise pas un ustensile en argent pendant longtemps, à force de noircir, il risque sûrement de s'abîmer davantage. Après, on ne va plus pouvoir le récupérer. Je suppose, en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va se passer. On ne peut pas le laisser noircir complètement. Il faut de temps en temps partir l'utiliser un petit peu, le rafraîchir un petit peu. Et donc, tu pourras l'utiliser, les tzorkan, pour leur bien à eux, aux ustensiles, avalo les shochakan, mais pas au point d'être shochek, de les user, de les éroder. À force de les utiliser, de les frotter, tu vas leur faire perdre à chaque fois un peu trop de leur épaisseur. C'est l'ishrok. L'ishrok, c'est user quelque chose. On continue. Klei zahav uklei zchochit, lo yiga bahen ad sheyavo Eliyahu. Les ustensiles en or, l'or ne s'abîme pas, ne rouille pas, d'accord, ne s'oxyde pas non plus. Et donc, tu trouves un objet en or, et ben tu le gardes jusqu'à que tu trouves le propriétaire, ou même jusqu'à ce qu'Eliyahu Hanavi vienne et nous dise qui était son propriétaire. Idem encore pour les klei zchochit. Klei zchochit, les ustensiles en verre. Le verre ne s'abîme pas. Et le Bartonor va même préciser, au nom du Rambam, je crois, qu'il y a quelque chose de supplémentaire dans les ustensiles en verre. C'est que si tu les utilises, tu risques de les casser. Donc, fais-nous plaisir, ne l'utilise pas du tout. Et garde-le uniquement jusqu'à qu'il vienne Eliyahu Hanavi. Attention, lorsque tu dois préserver un ustensile de valeur, à l'époque en tout cas c'était comme ça,
il fallait nécessairement les enterrer. C'était la manière de le protéger de la meilleure façon. À notre époque, il y a des petits coffres-forts. À leur époque, ils trouvaient un petit endroit dans la maison où ils creusaient à 40 cm. Et là-bas, ils mettaient les ustensiles et ils refermaient avec la terre. Ils aplanissaient tout et ça passait incognito. Voilà pour la première partie de la Mishnah, l'entretien de la Aveda, de l'objet trouvé. Deuxième partie maintenant de la Mishnah, on va s'intéresser à quelque chose d'original. On le fait d'abord dans les mots. Matsa, matsa, sac, okupa. S'il a trouvé un sac, c'est la même chose comme en français, un sac, tout simplement. À l'époque, c'était un sac en fil de lin. C'était fréquent, ouais, comme il y avait, quand on était petit, on avait encore, on voyait de temps en temps les sacs de pommes de terre, ou au marché, il y avait encore des sacs un petit peu comme ça. Donc ça, c'est sac. Matsa, sac, okupa, ou encore une grosse boîte. D'accord ? Quelque chose assez grossier. Vechol davar shen darko litol, ou encore tout autre ustensile, objet, qui n'est pas de son rang de le prendre, de sortir avec dans la rue. C'est une personne honorable, respectable, respecté, qui ne peut pas se permettre de se promener dans la rue avec n'importe quoi. Supposons, je ne sais pas moi, imaginez vous trouvez, c'est sûr que vous n'avez pas trouvé, un exemple un peu gros, un rav très khashuv se promener avec son caddie pour aller faire son marché. Ce n'est pas de son rang, il y a même des halachot. Il n'a pas le droit du tout même de partir, d'être mezalzel dans son kavod. Un rav qui a des fonctions, puisqu'il a une influence sur le public, il doit nécessairement garder son statut, son honneur, de manière à ce que ses paroles qu'il prononce qu'on ne devienne pas trop familier avec lui, comme ça il se fait respecter. Donc il y a vraiment une halakha comme ça, mais c'est idem aussi avec n'importe quelle personne respectable pour pouvoir garder. D'accord, c'est une notion de kavod, d'honneur, pshuta quoi. Toute évidente, toute personne qui veut garder son honneur ne va pas se mettre à faire des actions un peu rabaissantes dans la rue. De ce fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe si le rav va trouver dans la rue un caddie qui revient du marché, il réalise qu'il a été abandonné, ça fait déjà 2 jours qu'il est en train de traîner, c'est sûr que le propriétaire ne le trouve plus. Est-ce qu'il va le prendre et le ramener chez lui ou non? Donc, c'est une chose que Endor Colitol, c'est pas de son rang de les prendre et de se promener dans la rue avec. Alors là, la Mishnah nous apprend une grande nouveauté. Areizeloitol. Il n'aura pas besoin de faire la mise à deux à Shabbat Aveda sur cet objet. D'accord? De manière générale, ça peut être n'importe quelle personne, je sais pas, pour moi personnellement, je me promènerai pas avec un chien dans la rue. C'est pas, ça va faire un petit peu bizarre, les gens qui me connaissent, qui vont me voir, vont dire quoi, qu'est-ce que tu fais avec un chien, c'est pas, ça ne correspond pas tellement, et, on a le droit d'avoir un chien. D'accord, je vais pas en prendre un. De ce fait, si je trouve un chien dans la rue, je sais même que c'est le chien du voisin, j'ai le droit, la Torah me donne une permission de me dire, Veita alamta mehem, lorsqu'on a ramené le pasouk. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le premier passage, peut-être qu'on fait dans les mots déjà même. On avait une forme un peu lourde du passage de présenter la mitzvah. La mitzvah, au lieu de me dire, bon, alors on avait précisé, je le fais dans les mots d'abord. L'otire tchorachicha vetseyon idachim. Tu ne verras pas le taureau ou le mouton de ton prochain, de ton ami, nidachim perdu, vitalamta mehem. Et tu fermeras les yeux. Achev teshivem l'achicha. Tu devras les restituer à ton prochain. Le pasouk, il parle relativement lourdement. Au lieu de me dire, quand tu verras l'objet de ton prochain perdu, prends-le et restitue-le. Non, la Torah me dit, tu ne le verras pas en fermant les yeux. Bon, alors ça on a expliqué, la Torah avait un intérêt de me donner une mitzvah lota assez et une mitzvah assez. Une mitzvah négative et une mitzvah positive. Il y a des raisons pourquoi ça amplifie l'importance de l'interdit, d'abord. Et à part ça, ça aura des conséquences sur d'autres interférences avec des fois d'autres mitzvot, des règles de assez, de chelota assez et tout ça. On ne va pas entrer dedans. Mais en tout cas, il y avait un intérêt. Mais malgré tout, même la forme pour présenter le lota assez, la mitzvah négative, la forme elle est lourde. Il fallait tout simplement dire lotitalem, ki tire tchor chavet soyonidachim, lotitalem. C'est quoi cette manière de me dire, ouais, quand tu le verras, tu ne fermeras pas les yeux. Mais non, tu ne verras pas et tu fermeras les yeux. C'est une insistance un peu lourde. Et la Gemara déduit de la halakha qu'on est en train d'apprendre en ce moment, que la Torah a laissé ici une allusion au fait que des fois, tu as le droit de fermer les yeux. Dans quel cas? Quand ce n'est pas selon ton rang social. C'est rabaissant pour toi, donc tu ne le feras pas.
À partir de quand je définis que c'est rabaissant? Attention, point très important. Très très important quand même à préciser. On considère que c'est une chose rabaissante à partir du moment où pour moi-même, je ne l'aurais pas fait. C'est-à-dire, pour reprendre le cas du chien. Ou bien pour reprendre le cas de « J'ai vu que, par erreur, ton livre s'est retrouvé dans la poubelle. » Ouais, dans la grosse benne publique, comme on en trouve en Israël, la fameuse, comme on dit, la tzfardéa, la toute verte, la grande. Et j'ai vu là-bas qu'il y avait un objet à toi, et tes chaussures, elles se sont retrouvées par erreur là-bas. Et je les ai vues par la fenêtre. Alors maintenant, je vais dire, ah, c'est pas de mon honneur de partir fouiner dans les poubelles. Ouais, je vais commencer à rentrer dans la poubelle et à commencer à piétiner pour pouvoir aller chercher. C'est pas tellement... ça me correspond pas. Mais alors là, on va me poser une question de 2 minutes. Est-ce que pour toi, pour moi-même, donc, si toutefois c'était mon bien à moi, mes dernières chaussures à 400 shekels que je me suis achetées, et elles se retrouvent dans la poubelle, j'aurais dit aussi, non, c'est pas de mon rang. Si je serais parti, alors je dois aussi partir pour le voisin. Parce que si c'est pas de mon rang, alors même pour moi, je me dis, caparata bonot, tant pis pour les 400 shekels, mais je vais pas moi partir fouiner dans les poubelles pour récupérer mes chaussures. Donc, puisque pour moi, je suis prêt à renoncer à cette valeur, alors on me dit, chez ton voisin, renonce. Mais si, pour toi, ouais, tu sais des fois, te rouler par terre pour tirer la pièce de 2 shekels qui est tombée sous la voiture et tu rampes comme un... t'oublies que t'es un être humain et tu te mets à ramper pour pouvoir le récupérer. Et ben dans ce cas-là, si tu vois les 2 shekels de ton voisin, tu devras aussi partir les chercher. Et tu pourras pas dire que c'est pas de ton... C'est de son évidence, ça laisse à réfléchir quand même. Et vous réfléchirez après ce cours. Pour notre propos, nous continuons tout de suite, on fait tout de suite le Bar Tenora. Matas Farim, Kore Baen, Achat Lishloshim Yom. S'il a trouvé des livres, il fallait les lire dedans pendant une fois tous les 30 jours. Le Bar Tenora explique Shemit Apshin, Kshechohin, Mi Le Fotran. Parce qu'ils vont se flétrir, moisir, lorsqu'on s'abstient de les ouvrir. Vechol Sifren, Ayosuin, Ken, Gilayon. Tous leurs livres étaient faits sous forme de parchemin roulé. D'accord ? On continue. Golelan, il les roulera. Donc celui qui ne sait pas lire, alors à défaut de l'ouvrir et de faire semblant de lire, alors il devra le rouler du début à la fin. Mitrelatan Sofan, Shikanes Baem Avir, c'est une autre solution donc, qui le roule du début jusqu'à la fin. Et comme ça, il va y avoir de l'air qui va, il va s'aérer durant tout le long, même le temps de rouler. Mais au moins, ça va prendre un petit peu l'air. Ensuite, Avaloil Mod Bahen Batechila, il ne pourra pas l'étudier dedans pour la première fois. Shema, Mashelolama de Meolam, une chose qu'il n'a pas étudiée de sa vie. Le fichet Tsarich Lash, Hotan Lefanav, parce qu'il devra le laisser ouvert longtemps devant lui. Si tu le laisses ouvert pendant longtemps, alors là, c'est plus bon, tu risques de l'abîmer, tu risques de transpirer, d'avoir une goutte de transpiration qui va tomber dessus, peu importe, de le toucher avec un doigt qui a pris un peu de saleté. Veloikra Acherimo, idem aussi, tu ne pourras pas lire avec quelqu'un d'autre en même temps. Les fiches, c'est mon cher Etzlo, mais c'est mon cher Etzlo Venika. Chacun, il va vouloir les tirer de son côté, il va dire attends, rapporte au milieu, et entre-temps, ils vont le déchirer. Chotra Letzorka, on avait vu dans le vêtement qu'il pourra l'étendre pour le bien du vêtement. Lishlot Baavir, Shelot Ochalena Ash, pour qu'il y ait de l'air pour l'aérer, donc, afin que les mites ne vont pas le ronger, le piquer. Letzorkan, encore on avait vu pour les ustensiles en kesef et nechoshet, en argent et en cuivre. Et Letzorkan, shemitapshim barkarka, parce que s'il les laissait dans la terre, oh, c'est là un point important. Maintenant que j'ai lu le Bar Tenora, je comprends un petit peu mieux ce qui se passe. Pourquoi le verre, pourquoi le Bar Tenora, je le fais d'abord dans les mots, vous allez comprendre. Letzorkan, shemitapshim barkarka, parce qu'ils vont, ils s'usent lorsqu'on les laisse. Dans la terre, ils pourrissent, d'accord. Même les ustensiles en argent ou en cuivre. Chez Tsarich, la titane bakarka des oishmiratan, parce qu'il faut les mettre dans la terre, il faut les mettre sous terre, les enterrer. Des oishmiratan, parce que c'est comme ça qu'il faut les garder. Ulfikach mishtamesh bahem lifurakim, et c'est pour ça qu'il faut de ce fait les utiliser de temps en temps. C'est-à-dire, je récapitule, maintenant j'ai compris un peu mieux pourquoi spécialement les ustensiles en argent et en cuivre, on te demande de les utiliser. Mon problème, je l'explique d'abord, mon problème est que je ne comprenais pas pourquoi ça s'abîme. J'ai personnellement un ustensile en argent que j'ai pas utilisé pendant peut-être 10-12 ans, et il est sorti tout moche, je ne comptais pas le réutiliser non plus, mais j'ai voulu me faire plaisir et lui redonner son brillant. Je l'ai frotté un petit peu avec les produits ou même avec du dentifrice, ça marche très bien. Et il est redevenu tout blanc. Donc en fait, j'avais du mal. Quand j'ai lu la Mishnah, je ne comprenais pas pourquoi il fallait forcément entretenir, utiliser les ustensiles en argent. Le Bar Tenora vient me donner la réponse.
C'est vrai qu'en théorie, si tu le laisses dans ton armoire, tu n'as pas besoin de l'utiliser. Et maximum si noirci, 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 ben, y aura un moment où tu le mettras un petit coup de produit et puis il redeviendra blanc quand tu le restitueras au propriétaire. Là n'était pas le problème. Le problème, il est où? Il est que, étant donné que, pour pouvoir bien les garder, tu dois les garder sous terre. Or, sous terre, il y a plus d'humidité. Et là, ça risque de pourrir davantage et effectivement de s'oxyder au point où tu ne pourras plus le récupérer. De ce fait, une fois tous les 30 jours, tu le déterres, tu l'aères, tu l'utilises et tu le remets ensuite sous terre. D'accord? Tout ça, c'est écrit entre les lignes dans le Barthénois, un peu plus qu'entre les lignes. Quand on a l'habitude de lire le Barthénois, on réalise que c'était ça ce qu'il venait répondre. Ils vont pourrir parce qu'ils sont sous terre, parce qu'en réalité, il faut les mettre sous terre pour pouvoir aller bien les préserver. Et c'est pour ça qu'ensuite, il faut les retirer une fois tous les 30 jours. Avalo le shorkan, lo velo ishtamesh ben zman aroch achish hakem. Attention, lorsque tu les utilises, tu ne les utiliseras pas trop longtemps au point de les. Je sais pas comment dire, les éroder, les user. Loïga Baen, on se rapporte maintenant sur la denier. Non, Klesa ou Klesrochit. Les ustensiles en or et en verre. Loïga Baen, Acheavo Eliaou, il n'aura pas besoin de les utiliser jusqu'à qu'il vienne Eliaou. Il pourra les laisser sous terre, pourquoi? Veloïch Tamesh Ben Zvanaroch, Loïga Baen, Zaveno Mitapesh Baretz. Parce que l'or ne pourrit pas lorsqu'on le laisse dans la terre. Vechen Srochit. Aussi, même le verre, la même chose. Veod, de plus, pour les ustensiles en verre spécialement, chez Noach Lechaver. S'il y a peut-être un petit intérêt quelconque, malgré tout, pour éviter qu'il va commencer à ternir un petit peu, malgré tout, par rapport à garder l'éclat du verre ou bien risquer de le casser, fais-nous plaisir, ne l'utilise pas du tout. Et laisse-le sous terre. Ensuite, la dernière partie de la Mishnah, avec Oldavar Shender Kolitol, on avait vu que s'il a trouvé un sac qui n'est pas de son rang. C'est pas son derer litol, c'est pas de son rang de le prendre. D'avoir shegnai holo, quelque chose qui est honteux pour lui, ça ne lui correspond pas. La Torah amra vitalamta mehem, et la Torah lui a dit vitalamta mehem. Là, il a utilisé le mot en utilisant vitalamta mehem. Lo tire vitalamta mehem, tu ne le verras pas et tu fermeras les yeux. Peamim shek atam italem, il y a des fois où je te permets de fermer les yeux. Kigon zaken ve'eno lefi chvodo, tel qu'un. Une vieille personne, c'est-à-dire une personne sage. En général, le zaken dans la Torah, ça représente toujours le sage, le chacham. Veno le figvodo, et ça ne fait pas partie de son rang. Entre parenthèses, on rapporte au nom du Rosh, rapporté ici par le Tosot Hadashim, au nom du Rosh, qu'un Talmid Chacham, quelqu'un d'honorable, parce qu'il a une fonction religieuse, a un interdit de rabaisser de son honneur. Vous allez me dire, ouais, mais il a envie d'être modeste. Non, il y a un interdit explicite, c'est rapporté ici. Mais Shitata Rosh, il y a un interdit. Isuru le gabet amit chacham chez mezalzel bichvod la Torah. Il représente la Torah, il n'a pas le droit d'être mezalzel dans son kavod, de rabaisser son honneur. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha. Rendez-vous demain, kol tov, c'est là.